grosse déception avec un scénario qui est créé, qui est cruel. Donc voilà, on a tout fait pour gagner ce match. Il y a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'énergie de dépenser. Et voilà, même à 1-1, on a tout fait pour continuer à aller de l'avant. Et on a essayé de forcer les choses. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, on n'a pas, ça nous a pas souri. Et voilà, Copenhague s'en sort très bien. Il faut repartir au combat et faire preuve du même état d'esprit qu'on a mis ce soir, comme sur les trois matchs auparavant. Il faut qu'on soit régulier en termes de générosité, en termes d'effort. Et à un moment donné, on peut être certain que ce genre de match il va basculer en notre faveur si on y met tous les ingrédients comme ce soir. C'est dommage parce que, comme j'ai dit, on a fait tout ce qu'il fallait aujourd'hui pour gagner ce match, mais malheureusement, on n'a pas su convertir nos occasions. Manque de réussite et comme j'ai dit, ça vient malheureusement pas récompenser la bonne prestation d'ensemble de l'équipe. Donc c'est dommage, il va falloir vite se projeter sur le prochain match et j'espère que les occasions, on les a gardées pour dimanche. On a perdu dehors, ça suffit. Ouais. On a mis quelques ingrédients pour gagner ce match. Mais malheureusement, voilà, on prend ce but à la fin. Bon, c'est vrai qu'on prend des buts bêtes quand même ce soir. Mais bon, c'est la Coupe d'Europe. Ça doit terminer, il reste des matchs. Il y a des points à gagner encore. Donc voilà. Mais maintenant, il y a un match de championnat. Il va falloir se tourner sur le championnat, prendre le maximum de points. Et puis, dès qu'on reviendra sur cette Coupe d'Europe, faire le maximum pour gagner le maximum de points.